Ah, Et quelle heure? 17h. Petit café. Ah ouais, mec. Oh là là. Maman! Ok, mon petit pote, c'est Galiloupa, j'espère que tu vas bien. Écoute, on se retrouve en ce dimanche soir, 18h. Parce que voilà, c'est le jour J, c'est enfin le jour venu pour faire une vidéo All My Sneakers. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui attendait ça depuis le début de ma chaîne. J'ai reçu beaucoup de demandes au tout début de ma chaîne, il y a déjà 5 ans. Et le truc qu'il y a, c'est que j'avais pas forcément envie de le faire d'une manière face cam. Étant ancien danseur, breakdance, donc hip-hop au sol et tout, acrobatie, machin, je voulais vraiment faire une chorégraphie en fait. Une chorégraphie, tu vois, vraiment une mise en scène de ouf et tout. Limite un court-métrage, tu vois, un truc vraiment mais badass. Faute de moyens, faute de temps, faute du temps extérieur, parce qu'il fait souvent beau mais pas assez chaud, des fois il fait froid et il pleut, enfin voilà, le temps extérieur est pas forcément le mieux adéquat pour ça. Donc finalement je me retrouve à faire une vidéo face cam. On va faire par catégorie. En tout cas voilà, sachez que moi j'ai pas beaucoup de paires, ce qu'on dit hype, hein, les paires qui sont le plus demandées, les paires qui ont le plus de cotes, hein, parce que moi je mets pas non plus des milliers de cents dans des paires de sneakers, à part quand c'est vraiment des paires de marques comme la Triple S dernièrement, ou alors ma première paire de luxe qui était la Gucci Riton. Je vous en ai parlé de cette Gucci Riton dans ma dernière vidéo qui se trouve dans le petit i ici, je crois. En fait, c'est une vidéo dans laquelle je vous montre mes achats de luxe que je ne regrette pas d'avoir acheté. Quelques paires de luxe, d'accord, des paires grand public et des paires un peu plus techniques, un peu plus compliquées à rocker et tout ça en fonction des gens, en fonction du style des gens. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire, les potes. Si le contenu de cette vidéo là vous plaît et si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, je t'invite fortement à t'abonner. Moi, je fais une vidéo par semaine. Je parle de mode, je fais des sujets de mode, de sortie de sneakers, ça arrive. Je parle de ce que j'aime dans la mode. Je fais des hauls, je fais des lookbooks, j'analyse les looks des youtubeurs, les looks des abonnés, enfin voilà, je donne des conseils de mode également, et likez la vidéo. Un max de soutien pour le référencement également. On me dit souvent que je mérite plus d'abonnés, plus de visibilité. C'est maintenant qu'il faut faire preuve, qu'il faut me montrer que je mérite plus. Commenter et partager la vidéo en story à tes potes. All My Sneakers, Galiloupa 2020, c'est parti les potes, on y va. Les potes, avant de commencer la vidéo, je vais juste vous dire qu'il y a quelque chose de très important. À la fin de la vidéo, un big concours avec monsieur Benkoshi, Mamen, Benkoshi Clockers Mané. Puisque voilà, on s'est associés pour faire une petite vidéo plutôt cool, un petit concours pour vous. Voilà, ça se passera sur Instagram évidemment. Donc où il faut me rejoindre et où il faut nous rejoindre, c'est sur Instagram, bien sûr. D'ailleurs, ils ont ouvert une chaîne YouTube, c'est plutôt cool. Bon petit vlog, comme ça, sur plusieurs jours d'affilée. Ils font leurs courses parce qu'en fait, il y a un salon de tatouage à l'intérieur de Clockers. En fait, non, extrait. Voilà les potes, vous avez vu, c'est carré. Voilà, bonne ambiance. Un truc qui est bien aussi, c'est que Clockers, ils font pas que du neuf, ils font aussi de l'occasion. Dans tout ce qui est toys, sneakers, textiles, il y a aussi pour mes petits fans de vintage, de fripe et tout. Clockers a également une très bonne sélection au niveau sap vintage. Donc il y a du Ralph Lauren vintage, il y a Nike vintage, enfin il y a vraiment du Bape également, enfin il y a des sap mon gars, enfin. T'as capté, bref, pour suivre tout ça, mon petit pote, il faut juste aller sur Instagram et follow les deux comptes, etc. À la fin de la vidéo, on se retrouve pour le concours. On va commencer avec une paire encore plus basique, encore plus petit prix. Je crois que c'est l'une des paires les plus petits prix dans le sneakers game. Il s'agit simplement de cette Nike Monarch. Voilà. Cette paire là, je l'ai achetée franchement parce qu'il y a une tendance dad shoes, la tendance en mode prof de sport, EPS, tout ça. Cette paire là a vraiment fait fureur il y a un an et demi, 2018 je crois, plutôt 2018. Et franchement, cette paire là, c'est un basique à 50€ sur le site Nike. Il y a comme ça, je l'avais aussi en toute noire. Moi, je l'ai payé 45€. J'étais parti en banlieue parisienne dans des bails de sport 2000 ou go sport ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai pris deux paires. Hein. Moi, j'acquive toujours hein, personnellement. Voilà, c'est une paire qui me correspond tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai fait des photos avec une tenue assez claire, un denim bleu jean assez clair. Et j'ai mis cette paire-là au pied et ça passe nickel. C'est magnifique, la photo est sur Instagram. Tu peux aller checker ça si tu veux. Donc voilà, petite paire de Monarch, 50€. Et franchement, c'est une paire archi efficace, sous-côté à l'heure actuelle je trouve, puisque voilà, beaucoup me disent que est-ce que tu penses que les dad shoes c'est une tendance qui est terminée ou quoi. Je suis pas d'accord avec ça, que pour moi une tendance, on la fait vivre, d'accord. Si on veut que les dad shoes durent encore 1000 ans, d'accord, et si on entretient cette culture de la dad shoes, la tendance dont on parle en fait n'a aucunement besoin d'être oubliée, la tendance va continuer à vivre. Donc voilà, moi pour moi c'est pas du tout une tendance terminée, voilà, pour moi ça continue, hein. Je sais pas pourquoi ce serait pas le cas. Voilà. Maintenant, les potes, on continue du coup avec maintenant Shox. J'ai plusieurs paires de Shox. Alors, ça, c'est vraiment une paire que je.
mon dieu, cette paire là, je trouve, elle a vraiment un sale caractère, tu vois, c'est vraiment une paire que tu sens que, voilà mon petit pote, donc là concrètement, voilà, on a des beaux pieds là, de Shox, depuis que Nike a ressorti le modèle, un pur kiff. Un pur kiff, franchement, ça c'est vraiment un pied que j'adore. Pour moi, les Shox, ça vraiment, ça a pas une tronche, ça a une gueule. Tu vois, ça a une gueule, c'est agressif, c'est beau, c'est. Tu sens que la paire, elle est en. Nique une merde là. Nike Shox R4, modèle R4, et les deux coloris que j'aime beaucoup. Là, on a la Shox TL en toute blanche. Alors celle-là, mais franchement, non, mais la paire, elle est tellement belle. Regardez ça. Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas, c'est très particulier, il y a des espèces de ressorts, hein. Je conçois. La paire est confortable, la paire est belle, la paire est agressive. Celle-là, et là, tu l'as en noir, tu vois. Regarde ça, mon petit pote, regarde ça. C'est pas beau, ça, franchement. C'est pas magnifique, ça. Non, franchement, Théma, regarde ça, mon petit pote, regarde-moi ça, c'est une dinguerie. J'en suis absolument fan, d'accord. C'est bon pour vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ou dans le petit sondage qui se trouve ici. Cliquez dessus et dites-moi, est-ce que vous aimez, oui ou non, les Shox comme ça. Enfin, les Shox en manière générale, quoi. En blanc, ou en noir, peu importe, le modèle en lui-même. C'est une vidéo interactive, vraiment d'avoir une vraie interaction entre vous et moi. Dans cette vidéo-là, les potes, c'est le moment. C'est fou, quoi, dinguerie. Toujours chez Nike, les potes, puisque maintenant, je vous montre une paire que j'ai trouvée en fripe chez Episode. Il y a déjà un an et demi. C'est une paire que j'ai beaucoup portée entre temps. Mais c'est pas moi qui l'ai abîmée comme elle est actuellement. Juste, voilà, je vous précise. Hein. En fait, voilà, c'est une petite paire de Nike Zoom Cushlon. C'est marqué sur le côté, hein. Voilà, comme ça. Regardez ça. Regardez-moi cette paire. La paire est magnifique. Forcément, elle est abîmée. C'est une paire de vintage que j'ai trouvée en fripe. Dans l'ensemble, dans l'idée. Là, je l'ai vue, je fais oh la vache. Alors, première chose que je regarde, c'est quoi? La pointure. Je regarde l'étiquette 44. Je fais hop. Mec. Moi, je suis du 43 de base chez Nike. Hein. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Une paire vintage comme ça. Donc là, ce qui va être fait, c'est que là, j'ai bientôt partir à Lille après le confinement, après toutes ces conneries-là. J'en ai ras-le-bol. Que tous mes projets sont un peu mis de côté, sont annulés. Mes collaborations sont annulées. Ça rend ouf. Paco, arrête! Ouais, parce que Paco, vous le voyez en live, sur mes lives, sur Instagram, mais vous voyez pas l'envers du décor, parce qu'il en fait des conneries, le con, hein. Du coup, voilà, ce que je vais faire, c'est que, après le confinement, après toutes ces conneries-là, je vais partir à Lille, en fait, et je vais aller voir des mecs. Et leur Instagram, c'est We Save Your Shoes, voilà, Save Shoes sur Instagram. En gros, ils font du custom, restauration, etc. Et en fait, on va collaborer ensemble sur, par exemple, cette paire, notamment une autre que je vais vous montrer juste après, pour en fait faire, là, concrètement, la peinture, elle est écaillée. Regardez-moi ce côté-là. Peinture ici, si vous voyez bien, complètement, hein, vraiment. Tout ce qu'au niveau de la semelle et tout, la sole, elle est complètement... elle est pas morte, la sole, mais il faut juste la restaurer, quoi, en profondeur. Il y a un vrai taf à faire dessus. Mais en soi, la semelle est belle, hein. C'est vraiment une paire de running, concrètement. C'est vraiment une paire qu'on pourrait trouver à l'époque chez Decathlon, Go Sport, Intersport, tu vois. Et la remettre au goût du jour, parce que concrètement, c'est une paire que je compte pas me séparer. C'est pas possible. C'est une belle trouvaille, c'est ma voiture, comme par hasard. Le tissu, avec un vrai shampoing, du vrai Cryprotect plusieurs fois avec du bicarbonate de soude après. On nettoie, on laisse sécher, on sèche bien, on refait le truc avec du percarbonate de soude et non pas bicarbonate mais percarbonate. On va remplacer les lacets et tout. Enfin bref, il y a un vrai taf à faire dessus. On poursuit les potes avec maintenant une petite paire, enfin non, deux petites paires complètement cool, détente, très chill, qui ont une bonne race. Il s'agit de deux paires de New Balance en fait. Donc on a une première avec la boîte, donc Made in USA. C'est une paire de coups de New Balance qui a été faite aux States, voilà, d'où le matériau de la paire, d'où le côté très premium de la paire comparé aux autres paires qui sont faites directement en Chine, etc. On a vraiment une très très belle paire. C'est le modèle 990 de chez New Balance, donc celle-là je l'adore. Il y a une V2 qui est sortie il y a un an, il me semble. Donc en fait, c'est vraiment une paire que j'aime beaucoup rocker parce que je trouve que c'est vraiment une paire d'été, comme de printemps, comme d'automne. Si tu imperméabilises la paire, franchement, elle peut faire presque toutes les saisons. Je ne conseille pas du tout de mettre ce genre de paire-là en hiver, mais c'est vraiment une paire que dans d'autres saisons, c'est vraiment une paire que je recommande à 100%. C'est une très belle paire. Voilà, elle a vraiment une belle shape. Devant, tu vois, le devant est vraiment là, un peu arqué comme ça. Je trouve ça vraiment très joli, quoi. C'est carré, quoi. De ce fait, j'ai reçu cette paire-là d'une boutique qui se trouve à Nice, qui s'appelle La Fabrique. C'est un petit pote qui tient la boutique, qui me l'a envoyé avec un sac marché noir. J'ai fait un concours sur Instagram avec ce sac-là en question. Cette petite paire de New Balance 530, voilà. C'est une paire que j'aime énormément, qui est très 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 confortable. Tu peux vraiment la porter pour une journée complète. Quand tu sais que tu vas faire une journée dans Paris, tu peux flex dans le plus grand des calmes. Voilà, elle est grave souple. C'est une paire pareille en mode prof de PS, hein, un peu la même catégorie que la petite monarque du début de la vidéo. L'été qui va arriver, l'été et tout,
tu mets ça avec un petit short ou un petit pantalon 7/8 beige ou blanc cassé, tu vois. New Balance, ils font beaucoup des paires assez pointues. Tu vois, c'est le côté un peu pointu des paires, souvent, j'aime pas du tout. Et là, le côté arrondi de celle-là et de la New Balance, c'est ce que j'aime chez New Balance, c'est vraiment le côté arrondi des paires. Et c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment le genre de paires que je kiffe, tu vois. Et on continue avec cette catégorie de paires grand public, toujours. Là, on est sur une petite paire de Salomon. C'est une paire Comas, en gros. Et les lacets, en gros, c'est juste un élastique entrecroisé, comme des vrais lacets. Et il suffit, en fait, de prendre ça et tirer vers le bas pour serrer la paire. Et à l'inverse, juste le bouton, là, pour desserrer la paire. Vraiment, vraiment cool. C'est une paire qui est très confortable. C'est une paire... pour tout ce qui est trail, course de fond, tout ce qui est montagne, tu vois, tout ce qui est un peu rocailleux et tout ça. D'où la semelle avec vraiment, je vous montre de près la semelle. Vous voyez, en mode un peu crampon. Mais moi, j'aime bien la mettre en mode streetwear, tu vois ce que je veux dire. Un petit pantalon à pinces, un sweat avec le pantalon à pinces. Tu mets ça en bas et c'est réglé. Et c'est une paire que j'aime beaucoup. En plus, en noir avec le petit rappel rouge ici. Je fais un look avec, c'est sur Instagram, pareil. Et c'est tout. Maintenant les potes, je vous présente une petite paire. Enfin, je la présente plus pour ceux qui me suivent sur Instagram. Pour les autres, je vous présente une petite paire en fait qui est complètement ouf. Alors, c'est simplement une paire de TN, attention. Déjà, la boîte est magnifique déjà. Voilà, à la base, j'avais les deux autres. Mais elles sont magnifiques, hein. Mais je les mettais moins. En fait, ce qui se passe avec celle-là, c'est que j'ai la doudoune Lacoste en mode Lacoste nuage. Elle match parfaitement avec cette TN là. Donc, pour ça, je l'ai gardée. Et en plus, je trouve que c'est l'une des plus belles. La Hyper Blue, hein, celle-là. Hyper Blue, comme ça. Franchement, elle est incroyable, elle est pépite. Ça fait longtemps que je l'ai. Faut que je la nettoie d'ailleurs parce qu'elle est un peu crade sur la semelle. Voilà, c'est une paire que j'aime énormément. C'est une paire que je rock très souvent. Et surtout avec ma petite doudoune, je vous disais, Lacoste Nuage, collection de défilés. Là, j'ai reçu de la part de Lacoste à l'époque. Et voilà, j'ai fait une petite vidéo sur mon Instagram, un petit IGTV, en mode look avec cette paire-là et tout. C'est magnifique. Donc franchement, c'est une des paires que je préfère le plus. Je trouve qu'elle a vraiment une belle gueule. Elle est belle. Il y a un beau dégradé de bleu. Voilà, bleu foncé jusqu'au bleu clair. J'aime tellement cette paire, c'est un truc de ouf. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. On continue. Du coup, il s'agit de la collaboration entre JW Anderson et Converse. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, hein, qui habitent dans une grotte ou quoi, ils ont sorti trois paires. Il y a eu la blanche, semelle bleue et marron. Celle-là est sortie en même temps, du coup. Ça, c'est la noire, semelle gomme, comme ça. Magnifique. Donc ça, c'est la collab, hein, parce que j'ai vu que Converse avait ressorti le même genre de modèle, mais sans la collab. Voilà, c'est pas Anderson, hein, c'est celle qui a sur le site Converse actuellement. On peut la reconnaître avec l'étoile rouge. Celle-là, pareil, je l'adore. Hein, j'adore la semelle, nouvelle semelle Converse, elles sont confortables de ouf. Je la rock souvent. La grosse semelle crantée comme ça, c'est voilà, Runstar Hike. Même pour l'été, là. Ah gros, elle est vraiment ouf. Elle est basique, mais en même temps, elle est vraiment, vraiment stylée. Donc du coup, les potes, au niveau des paires grand public, on a fini. On passe aux paires un peu plus spéciales, un peu plus premium, entre guillemets. Même si, pour moi, c'est mon avis, hein. Même si pour vous, c'est peut-être pas le cas. C'est parti, les potes, on y va. Et on commence cette catégorie, les potes, avec simplement une petite paire Yeezy 500. Voilà. Donc voilà, petite paire de Yeezy 500 blush. Donc voilà, cette paire-là, pareil, je ne compte pas la vendre, elle est beaucoup trop belle. En plus, c'est le coloris de base, le premier coloris OG qui est sorti sur la 500 blush. Celle-là, c'est la OG, c'est la première qui est sortie. Et c'est la paire que j'ai gagnée, l'une des seules paires que j'ai gagnées d'ailleurs chez SNS en raffle. Ce jour-là, j'avais les larmes aux yeux, voilà, incroyable. J'ai vraiment gagné une raffle, donc j'étais trop content, trop saucé. Paire que j'aime énormément, qui a vraiment une belle girl. Elle est vraiment belle, elle est confortable également, avec une petite semelle ortholite à l'intérieur. La shape est vraiment belle. Et je trouve la paire, une fois bien rockée, ma paire, elle a vraiment une race, mon gars, c'est magnifique. Je vous le dis, hein, je la kiffe, cette paire. On continue avec les paires un peu spéciales, les potes, puisque on part maintenant sur la petite Nike en collaboration avec Ecolwall, qui est une marque que j'aime énormément au niveau des vêtements, des chaussures et tout. Collaboration est prévue avec Converse, qui devait sortir déjà il y a quelques mois, en février. Elle devait sortir le début février. Elle a été reportée de un mois, que j'ai réussi à la cop sur le site. Hein. Non, qu'est-ce que je raconte, j'ai cop cette paire-là, pardon, au Nike Lab à Paris. La chance d'avoir une boutique Nike Lab, hein, à Paris, donc voilà. On part du coup sur la petite paire de Nike Zoom Vomero 5. Voilà.
double lacet. Il y a des petits lacets en mode corde élastique et tout. Ce sont les plus beaux, voilà. La paire est magnifique. Cette paire-là était un peu controversée à sa sortie parce que beaucoup ont craché dessus en mode « Oh mais attends, c'est quoi ce bloc Wi-Fi derrière ?» On dirait un truc Wi-Fi, c'est quoi cette box Wi-Fi, ces machins, ces trucs. Beaucoup de blabla. Ça, personnellement, ça m'a pas du tout empêché de copier la paire hein, parce que je trouve que c'est vraiment ça qui fait le petit côté Code Wall, le côté technique de Code Wall. Voilà, je trouve ça vraiment très particulier. Mais ça ajoute un truc en plus, je trouve. Un côté, il y a le swoosh et un côté, il y a marqué Code Wall, donc le logo. Quand je vous disais, les lacets sont élastiques. En mode vraiment en corde élastique, c'est cool. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il se défend beaucoup plus rapidement que des lacets en corde basique. Vous trouvez ça maintenant en resale, c'est pas gratuit hein, concrètement. Donc voilà, c'est une paire que j'ai beaucoup prisée. J'ai réussi à l'avoir, donc voilà, je compte pas du tout la revendre. C'est mon petit bébé, encore une fois. Ça, c'est une paire aussi que je compte vraiment garder indéfiniment. Autant la garder. Autre paire spécifique, les potes, il s'agit d'une ASICS. Hein. Voilà, ASICS Gel. Et c'est la Gel Light Kayano. Voilà, de chez ASICS, qui est sorti donc il y a un petit moment déjà maintenant. Voilà, c'est une paire que j'aime énormément également, parce que je trouve que le côté technique de la semelle, je sais pas comment c'est coupé, tu sais, c'est une paire voilà, que tu enfiles facilement, que tu mets avec une tenue assez sobre, assez facile. J'ai fait un look avec mon pantalon Code Wall, mon pull Adair et une veste tactique sans manche. Enfin voilà, le look est archi énervé. Si vous voulez voir des looks et plus de mode, c'est sur Insta. La semelle intérieure est assez moelleuse hein, quand même. La Fashion Week, faut savoir que la Fashion Week à Paris, les défilés sont pas tous au même endroit. À Londres, t'as un endroit pour les défilés Fashion Week et c'est tout. Mais à Paris, faut aller dans le 92, dans le 3e, dans le 1er arrondissement, dans le 18e, dans le 16e. C'est relou. Paris, c'est relou pour les Fashion Week. Ça fait que il faut une paire qui va tenir le coup, une paire que tu vas rocker. J'ai payé presque 200€, je crois. J'avais acheté chez The Broken Arm, donc boutique anglaise hein, qui se trouve à Paris au niveau de République. On a bientôt fini la vidéo, les potes. Donc voilà, continuez un peu à prendre à manger, à boire. Les potes, on continue avec une paire que j'ai achetée il y a très longtemps maintenant, que j'ai achetée dans une boutique qui s'appelle Numéro 42. C'est une boutique qui se trouve dans le Marais, à Paris. Et une boutique qui est très portée sur Adidas, d'accord. À l'époque, j'ai copié cette paire. Elle était à 300 et quelques euros presque. 250, 230, je ne sais plus exactement le prix. Adidas Ralph Simons Bounce, d'accord. L'une de mes paires les plus techniques, les plus extravagantes. Mais putain, j'aime tellement cette paire, franchement. Voilà. Donc là, on a une paire très particulière, hein, je vous le dis. Hein, c'est franchement, regardez là, la semelle au niveau des trous. Voilà, j'aime beaucoup cette paire. Hein, c'est vraiment une paire. En plus, elle est solide et tout. Elle est belle. Les motifs en mode fleuri, en mode nénuphar et tout. Enfin voilà. Collaboration Adidas Ralph Simons. Donc à l'époque, c'était vraiment un bon gros billet. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les paires. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Vous voyez, dans mon haul, ma sneaker, c'est pas fini, mais j'ai pas non plus 50 000 paires. J'en ai beaucoup écoulé. Beaucoup vendu sur Vinted également. Au Vinted, c'est Gailoupa, comme partout, hein, je vous le remets ici. On continue avec une paire que j'ai acheté dernièrement. Pareil, c'est encore une paire de Nike. Hein. J'aime beaucoup trop Nike. En ce moment, Nike, ils font des dingueries. Donc voilà. Boîte noire, hein, ça c'est bon signe. Et il s'agit en fait de la paire de Nike Pink Green, d'accord. Une belle paire de sneakers là. Froh. Avec le cuir frappé comme ça. Donc une belle paire hein, de Nike hein, avec un beau cuir, voilà, un cuir souple, hein, pas un cuir robuste, hein, un cuir vraiment souple. C'est ma première AJ1 d'ailleurs de toute ma vie. Et oui. Parce qu'à l'époque, quand j'ai essayé la première AJ1, c'était chez Size. Ma pointure 43, hein. Genre j'étais au-dessus de la paire, je regardais comme ça de haut vers le bas. Et je trouvais que les rangées de lacets, ça faisait beaucoup de rangées de lacets. Une impression de gros, de grand pied, tu vois, genre grand panard. Et en fait, avec le temps, j'ai réessayé et tout, je suis ok, bon. Et après, j'ai vu cette paire qui est sortie, je suis allé. Là, je me lance, j'aime beaucoup trop et je me lance. Moi, j'ai acheté chez The Next Door. À Paris, pareil, vraie grosse boutique qui vendent des marques mais monstrueuses. À Paris, on est gâté. Hein. Je vous le dis, à Paris, on est gâté avec des boutiques de fous entre The Next Door, The Broken Arm, Tom Ground et tout. Oh là là, mec, à Paris, il y a tout ce qu'il faut à Paris. Bref, la boîte est un peu petite, je trouve. Ça fait pile poil la bonne taille pour la paire. Bon, on pourrait pas faire une boîte un peu plus grosse, mais bon, c'est pas si grave que ça. Pour un fan de sneakers. Un fan de sap et tout, ça fait bizarre d'avoir une seule AJ1, mais bon, un début à tout. Hein, et... Encore une paire de Converse, les potes. Encore une fois, la particulière pour le coup. Puisque donc c'est encore la collaboration avec Anderson et Converse, hein, toujours chez Tom Ground. Celle-là, c'est la collaboration qui est sortie bien après les deux premières, donc noire et blanche. Et en fait, il s'agit de celle-là. Donc ça, c'est la Glitters. Donc c'est la même que l'autre. Un côté bleu, un côté rose. La languette est rouge, deuxième pied. Il y a un côté vert, un côté bleu,
le talon est rouge, d'accord, et la semelle est noire. Donc paire assez, assez particulière, hein, je l'ai mise au Sneakers Event 2019. Et avec le pantalon Prada que j'avais et que j'ai vendu. Voilà, j'aime beaucoup cette paire-là. Elle est très particulière, hein, parce qu'au niveau des couleurs, voilà. C'est deux pieds différents en plus. Et lacets en corde. Ils sont très beaux, les lacets, un peu blanc cassé. J'aime beaucoup. Le prix, hein, 130€, je crois, un truc comme ça. Donc pas trop trop cher pour une collaboration, encore une fois, pour JW Anderson Converse. Mais pas souvent souvent, hein, parce que forcément, bah, faut vraiment pouvoir avoir une occasion, entre guillemets, de la porter. T'as presque fini, les amis, puisque maintenant, on continue avec... ma seule paire de Puma. Puma en collaboration avec Adair Error. Donc Adair qui est une marque coréenne. Ma marque en fait favorite. Hein. Concrètement, c'est ma marque préférée. On a cette petite paire là. Donc voilà, de Puma Adair, hein, système. Donc là, il y a double semelle. Hein. Qu'est-ce que je raconte, une double semelle? Une double languette. Pardon, excusez-moi. Il y a marqué tongue. En anglais, c'est languette. Et là, voilà, le petit logo avec Puma. Avec en dessous, le logo Adair. Hein, pour marquer la collaboration. Par là, pareil que c'est comme la Cold Wall. Dès qu'il y a un bloc en mode derrière, machin. Encore une fois, c'est des commentaires bêtes en mode. Ah, c'est quoi ce truc? Là, c'est quoi ces blocs wifi? Bref. Il faut savoir que ce modèle-là a déjà existé chez Puma. Pourquoi il y a un bloc derrière? C'est que dans le vrai modèle de l'époque, en gros, il y avait une balise GPS dans le bloc. Il y avait sur le dessus, là, il y avait une prise USB. Oui, un vrai câble USB qui était livré avec la paire. En fait, tu branchais le câble USB là et l'extrémité sur ton PC et tu pouvais voir en fait le nombre de kilomètres et de pas que tu as fait dans la journée. Voilà pourquoi ils ont repris la même shape en gardant le même bloc, d'accord? Voilà pourquoi il y a un bloc à l'arrière. Sur ces paires-là. Voilà, pareil, c'est particulier, hein, mais moi, pareil, c'est les paires comme ça que j'adore, quoi. Les paires un peu chelous, un peu machin, mais je sais comment les accorder avec les vêtements que j'ai à la maison, je sais comment les rocker et les mettre en valeur. Donc, moi, ça me fait pas peur du tout. Au contraire, moi, j'en raffole les paires comme ça, les paires un peu techniques, un peu bizarres et tout. J'aime trop. On passe encore une fois à une autre paire assez particulière, les potes. Puisqu'il s'agit d'une paire de Globe, donc Globe, hein, c'est souvent des paires de skateurs et tout. J'ai reçu en fait d'une agence de presse une paire de Globe que dès que j'ai vu, j'ai reçu la newsletter. Ce coloris là, j'ai fait je le veux. J'ai pas dit ah, voilà, je le veux. Bonne grosse paire, fat sa mère, fat. Regardez comment elle est belle. Plusieurs couleurs, il y a du vert, du beige, du rose. Le rose est brillant, il y a du gris, il y a du rose, le vert, le beige. À l'arrière, t'as la marque Globe en vert et tout. Dans la paire, c'est bleu, c'est molletonné, c'est cosy. Quand tu mets ton pied est bien calé. Globe, c'était IV classique. On approche de la fin, les potes, avec cette petite paire que j'ai reçue de la part de Axel Arigato. Donc, Axel Arigato, en fait, c'est une marque suédoise et non pas japonaise ou quoi, en vue du nom Axel Arigato. Et en fait, on part sur cette petite paire. C'est une paire qui s'appelle Marathon. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont précisé au niveau de l'étiquette, c'est marqué derrière, handmade in Portugal. Donc, fait à la main au Portugal. Fait à la main, je répète, au Portugal. Merci beaucoup. Alors déjà, bonjour. Donc voilà, on est concrètement sur de la qualité de ouf. La paire, je l'adore. Bon Dieu, c'est coloris. Avec un jogo. Mais mec, un jogging là, c'est fou. C'est magnifique. Pareil, marathon runner, on peut s'attendre à forcément avoir une bonne semelle. On a une bonne semelle. Oh là là. Cette paire-là, je l'adore. Je la rock très souvent, pareil. Franchement, je la kiffe. Quoi. Moi, la marathon orange et noire et blanche. Voilà. On touche à la fin, les amis. On touche à la fin, puisque voilà. Et il s'agit de la Balenciaga Track V2. Donc, la deuxième version de la Track. Encore une fois, moi, j'aime bien les paires avec des grosses semelles en mode dachos, tout ça. J'aime beaucoup. Et en plus, le coloris blanc, je trouve que c'est le plus efficace. Au début, j'étais grave sur le coloris, le premier coloris, donc le blanc et orange, vous savez, donc la V1. Et au final, je l'ai pas acheté, j'ai pas encore les sous. Et en fait, j'ai fait un concours, j'ai fait une collaboration avec le magasin Printemps, donc à Haussmann, hein, Palais d'Opéra, à Paris, toujours. Et en fait, j'avais une carte cadeau de 500€. Et avec cette carte cadeau, j'ai pu acheter. En fait, je prenais ce que je voulais, concrètement. Au final, j'ai acheté cette paire là. J'ai rajouté un peu parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dessus. J'ai dû mettre 150€ en maximum de plus. Il me s'est acheté cette petite paire de Track. Donc franchement, c'est une très belle paire. Pareil, très technique. Elle est ajourée. Donc sur le côté, on voit à l'intérieur, on voit les chaussettes qui dépassent et tout. Pareil, je n'ai pas payé cher parce que forcément, j'avais 500€ de cadeau. J'ai à peine mis 150€ de plus et j'ai pu avoir la paire. Donc je suis très content. Grosse semelle. C'est confortable. Moi en plus, j'ai rajouté une semelle à l'intérieur, une semelle gel. Vous savez, les semelles qu'on trouve chez Courir, Footlocker et tout, près de la caisse. Bah, dedans, j'en ai mis une. Alors je peux vous dire que là, le confort. Donc voilà, Track V2, Balenciaga, gros coup de cœur.
et ensuite deuxième paire de luxe chez les potes, c'est une paire de Gucci. Et en fait il s'agit de ma première paire de luxe que j'ai pu m'offrir grâce à mes vidéos YouTube et tout ça. Voilà, un mec qui parle de mode sur YouTube et grâce à ses vues et ses collaborations, mode, il peut s'acheter une paire de luxe. Voilà, c'est vraiment une consécration pour moi. Et en fait il s'agit de cette petite paire de Gucci Riton. Voilà, paire 100% cuir évidemment, fabriquée en Italie. Pour mes aventures, je disais, dans ma vidéo précédente, je vous la mets ici, la vidéo précédente, vous allez la voir évidemment, je vous invite à aller la voir fortement. J'en parle, il y a une story time par rapport à cette paire là, une vraie story time, il m'est arrivé une galère, donc voilà, j'ai pas à le dire dans cette vidéo là, mais par contre je vous invite à aller voir l'autre vidéo juste avant. Et ça voilà, pour la petite histoire, c'est ma première paire de luxe, hein. Et en fait c'est vraiment mon plus gros graal sneakers, parce que voilà, c'est vraiment, c'est une paire que je mets pas forcément tout le temps, mais j'aime bien la mettre, j'aime bien aussi volontairement l'oublier, c'est-à-dire que mettre beaucoup d'autres paires dans mon dressing avec d'autres tenues, et un jour comme ça, genre j'ai une soirée ou quoi, je sais pas quoi mettre comme paire et tout, je pars sur une paire, et en fait je me dis, ah mais attends, putain, j'ai ma Gucci au fait, du coup c'est là que je retrouve le plaisir de la porter, c'est vraiment ma paire, mon petit bébé quoi, que j'ai fait souffrir, j'ai vraiment fait souffrir, j'insiste vraiment là-dessus, mais vraiment allez voir la vidéo, parce que franchement, bref, avant-dernière paire les potes, et on passe à une collaboration, pareil, toujours Converse par contre, cette fois-ci en bouche, deux marques qui ont collaboré tous les deux dernièrement en 2019, pour nous sortir une magnifique paire de Converse en bouche, que pour moi c'est plus une botte, une bottine, une paire de sneakers Converse basique. On a une semelle super épaisse, hein, regardez bien, une semelle super large. Grosse inspiration, je trouve, de Rick Owens au niveau des semelles, au niveau du devant de la chaussure. Vraiment en mode un peu recourbé vers le haut, comme ça, un peu remonté, en mode vraiment bottine, quoi. Voilà, on a une matière un peu cirée, comme les cirés de Rennes, les cirés de pluie, les cowboys de pluie Rennes, qui sont déperlants et tout. Il peut y avoir une averse de ouf dessus, pas de souci, la paire, elle sera imperméabilisée automatiquement. Même pas besoin de mettre du produit Tri-Protect ou quoi, être stylé. Mais en ayant une paire qui ne va pas prendre l'eau, qui va être totalement sèche et tout, c'est magnifique. Donc voilà, une belle paire de Converse en collaboration avec Embouche. Voilà, c'est incroyable cette paire. Franchement, Embouche, belle inspiration. Et les potes, dernière paire de la vidéo. On conclut avec cette magnifique paire qui se trouve derrière moi. Et en fait, c'est l'une de mes paires préférées, en plus de la Gucci évidemment. Il s'agit bien sûr, vous avez vu tout le long de la vidéo, de la petite Nike en collaboration avec Sakai. L'une de mes paires préférées, dont je prends le plus soin, je crois, hein, parce que vraiment, c'est une paire qui est sensible. Pas forcément super résistante à tous les temps, etc. La matière, c'est une matière en mode toile ouverte, là, comme ça. Donc en fait, concrètement, s'il pleut, il pleut aussi dans la chaussure. Hein, c'est une paire que tu mets vraiment l'été quand tu sais qu'il va faire beau. Là, on voit pipole, on voit le papier blanc dedans. Mais en tout cas, l'imagination de Sakai, je valide 100%. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment Sakai Waffle comme ça. Voilà. Magnifique coloris. Le premier coloris. Le OG. Hein, voilà. Premier coloris qui est sorti. Je l'adore. Double languette. En mode rétro, Sakai et tout. Double semelle comme ça. Double swoosh également. C'est magnifique. Petit Nike Sakai. Je ne l'ai pas dit, mais double lacet. Voilà pour ma dernière paire de ma collection, les potes. Voilà. Ok les potes, c'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu les petits potes, écoutez, voilà, c'est une grosse bonne vidéo pour vous montrer en fait ma collection de sneakers. Ça m'a pris très longtemps à filmer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chacune des paires presque. Moi vraiment je marche au coup de cœur, comme pour les vêtements, c'est pareil, je marche au coup de cœur. Si ma collection vous plaît, bah mettez-moi un gros pouce bleu quand même, et même si elle vous plaît pas, mettez un pouce bleu quand même pour le soutenir, parce que voilà, ça aide beaucoup la chaîne d'avoir des likes hein, sur les vidéos, des référencements des vidéos, ça compte beaucoup également pour la chaîne. Donc commentez en balle vos paires préférées de ma collection hein. Pareil, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube les potes, et bah s'il vous plaît abonnez-vous, c'est vraiment important pour l'avenir de la chaîne. N'oubliez pas qu'il y a le petit concours avec Locker les potes, donc moi je serais vous, j'irai directement sur Insta participer, parce que franchement il y a une petite paire à gagner là, elle est plutôt douce, elle est pépite, elle est très très belle en plus. Je vous embrasse, l'amour en balle les potes, c'est important, l'amour en balle, attention, c'est important de ouf. Restez chez vous et les potes, à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao.